Eh bien, salut tout le monde, c'est Azarad, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Killer Surprise pour, le début d'une petite série sur Rust. Ah ouais, d'une bonne série sur Rust. Ouais. Et pas sur n'importe quel serveur. Ouais, sur le serveur de Monsieur Killer Surprise. Ah, attention, ça rigole plus, ça va ruer dans les brancards. Donc là, on n'est que deux. Voilà, pour l'instant, bah oui, parce que bah, le serveur est en route que depuis hier, donc... Ouais. Donc bah voilà, forcément c'est pas tip top. Enfin oui. Je veux dire il y a plus de 1000 serveurs en qui est OP, donc bon bah, ouais. Voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo juste avant, ce matin j'ai fait une vidéo un peu à l'arrache, machin, mais pour présenter un peu le serveur et tout ça. Donc si vous voulez rejoindre, je vous invite à regarder la petite vidéo. Vous pouvez rejoindre, donc je répète comme ça si vous avez pas vu l'autre vidéo. Ah tiens, on va voir ce qu'il y a. Ouais bon, des balles. On va voir ce qu'il y a. Si vous voulez, pour rejoindre, tout simplement un MP sur mon Facebook, qui sera toujours dans la description. Et puis voilà quoi. Comme j'ai dit, je veux pas un CV ou quoi que ce soit, mais bon, je vais pas me répéter. Voilà, je vous invite à regarder l'autre vidéo. Et voilà. Donc une série sur Rust, hein. Je vais pas expliquer le concept parce que tout le monde doit connaître, je pense, maintenant. Oui, je pense. Hein. Oh oui. Donc début d'une petite série. Donc notre but va être de collecter des ressources. Et puis comme les vidéos précédentes, la texture est peut-être un tout petit peu plus dégueulasse, c'est que j'ai enlevé l'herbe en fait. Oh merde, fais gaffe. Oh merde, j'avais pas vu. Il y a un ours. J'ai enlevé l'herbe en fait. Parce que c'est vrai que l'herbe fait énormément ramer. Donc encore une fois, il est en alpha, donc forcément il est pas stable. Et comme je suis encore sur un ordi portable, un très bon ordi portable, mais bon vu que c'est pas stable, voilà. Mais bon. Oh putain, saloperie. Lâche-moi, saloperie d'ours. Donc notre but est de trouver des ressources, et puis en avant-gardant, hein. Tiens, des bandages. Je t'ai perdu, je sais pas où t'es. Ah, putain d'ours. Putain, il m'a fait saigner. J'étais dans le hangar. Ah, d'accord. Par contre, je suis un peu dans la douille, parce que là, je suis en train de saigner. Attends, il faut que je puisse au moins utiliser un truc, voilà, hop. Fais gaffe, il arrive. Ah putain, mais c'est pas vrai quoi. Putain. Non, mais je peux pas me soigner quoi. S'il me laisse pas me soigner, je vais être dans la douche. Attends, je vais l'avoir. Il est après toi là. Je saigne. Continue comme ça. Ah ouais, mais non, je suis à 20. Tire-le. C'est bon? Attends, non, il est pas mort. Ah, mais c'est pas possible. Avance. C'est bon, j'ai pu utiliser un truc. Le sang remonte tout doucement. Enfin bon. Putain, il est costaud. Ah ouais, mais les ours, j'aurais dû faire gaffe. Donc, en plus, j'avais dit que je referais du rust parce que il y a quand même une mise à jour qui a été faite. Il est mort. Ah, cool. Donc, vas-y, tu peux récupérer la viande, tout ça, ça pourra toujours me servir. Ouais. Comme ça. Donc oui, j'avais dit de mon côté en tout cas, quand je connaissais pas encore Monsieur Azarad, que je referais du Rust. Parce que là, il y a quand même une mise à jour avec pas mal d'ajouts. Ouais. Donc c'est une excellente occasion en plus de le faire. Pas tout seul, quoi. Donc là, il y a personne sur le serveur, donc c'est un petit départ tranquille. Comme le serveur est OP que depuis hier soir, on va voir pour que ça se peuple tout doucement. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire en craft, moi? Donc, le but, hein, essayer de se crafter un maximum de choses, etc. Puis, de se faire une fucking base, quoi. Ça va être ça, surtout. Par contre, t'es où, là? Je t'ai reperdu. Je suis où? Alors, attends. Je cherche la... C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors, attends, je cherche un peu. La Stone Hatchet. Et voilà, évidemment, comme les épisodes précédents, il me manque un de pierre. Ah, t'es là, c'est bon.
Non mais sans déconner quoi, tous les épisodes que je fais, il me manque un de pierre quoi. À chaque fois. Et à chaque fois c'est la pierre. Hein. Tiens, j'ai déjà pas mal de... Ah, alors, mince. Le gourd. Voilà, tiens, prends-en, ça pourra toujours servir si on arrive dans une ville. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, anti-radiation. Okay. Ouais, j'en ai trouvé un petit peu, puis là, il y a un petit peu de radiation. Donc, notre but, bah, on va faire quoi? Une petite demi-heure, 30-35 minutes. Donc, ouais. Voilà, pour la première, après... Tiens, un blueprint pour les grenades. Oh. Ouais. Ah, vas-y, cherche un petit peu. Tiens, il y a une pièce, je vais te la laisser. Donc, il faudra trouver un research kit et puis du papier. Ouais. Comme ça, voilà. Tiens, là, il y a de la pierre. Donc, c'est bien, on a spawné. Donc, je précise par contre que je suis l'admin, mais j'ai rien fait spawner. J'ai pas fait spawner d'avion, quoi que ce soit. Hein. Je suis pas comme ça. Mais je préfère le préciser avant qu'on me dise, ouais, tu triches, ça se trouve. Non, non, non. Il n'y a pas de ça avec moi. Par contre, je vais faire un campfire si je peux. Ouais. Moi, ça va être pareil parce que c'est vrai que je commence à avoir un peu la dalle. J'ai 18 de steak, hein, donc je vais les faire cuire. Moi, j'en ai beaucoup aussi, j'en ai deux. Par contre, il y a pas mal de radiation ici, alors. On est à côté de la... Ouais, d'accord, je vois où on est. Alors, qu'est-ce qu'on... À chaque fois, on a des arbres dans les bâtiments, quoi. Non, c'est... Donc, on est à côté d'une ville, en fait. Par contre, les radiation pills, putain, il y en a, hein, donc ça, c'est bien, parce que quand je vais aller en ville, bah, moi, j'aurai pas de radiation. Moi, je fais cuire la bouffe, hein. Vas-y. De toute façon, après, je vais faire une hache, machin, tout ça. Je vais essayer de faire un four et tout. Et puis, bah, pour faire une hache directement, une pioche. Pas une pioche. Je crois que les pioches, je sais pas si on peut les faire, par contre. Faut des planches, je crois. Par contre, ça, c'est pas mal, ce qu'ils ont rajouté, voilà, les speak walls. C'est, voilà, des sortes de pics, en fait, que tu peux mettre. Ou alors les larges... Peak wall, ouais, c'est les murs avec des pics, ouais, voilà, ouais, les wood getaway, les métal d'or, donc ça y est déjà. Donc, par contre, il faut 200 métal fragments, ouais, pour la faire, d'accord. Donc, ouais, il y a quelques petits ajouts encore. Donc, la hache, il faut quoi déjà? Du métal fragment et du bois, d'accord. Bah, moi, je vais tout simplement me faire le truc de base, hein. De toute façon, on commence une petite série là-dessus, donc qui s'allonge, j'espère, très sympatoche. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver quand même Rust. Pour ma part, en tout cas. Moi, j'ai déjà joué, mais bon, jamais fait de vidéo dessus, donc... Bah, moi, j'ai plus d'une cinquantaine d'heures de jeu dessus, et c'est vrai que, bah, j'étais vachement dessus pendant un moment donné avec plusieurs personnes. Et là, quand j'avais vu qu'il y avait une mise à jour, j'avais dit, bon bah, étant donné qu'il y a une mise à jour et tout ça... Ah, si tu veux de la bouffe, ramène-toi, hein. Je sais pas où t'es, mais... Ouais, t'inquiète. Je vais aller voir un peu aux alentours ce qui s'y traîne. Tu vois, il y a des petits emplacements, il y a une petite ville et tout. Une petite ville, c'est même pas une ville, c'est des petits hangars et tout ça, mais ça peut être... Bon, au pire, je cuis tout, puis je prends tout avec moi... Alors, des balles de M4, donc ça pourra toujours servir. Ouais, au pire. Par contre, il me faut de la pierre. Tiens, bah attends, c'est quoi? C'est un ours, ça? Non, c'est un cochon. Je vais pouvoir me le faire. Enfin, pas de mauvais esprit, hein. Me le faire, je suis compris. Non, mais, j'ai pas envie d'enculer Babe. Tiens, boum. Allez, viens ici, Babe. Hop, fumier de lapin. Ah, je peux faire l'arc. C'est cool. Donc, notre but, bah, se stuffer, voilà, et puis faire fucking base après en métal, tout ça. Enfin, on va voir ce qu'on va faire. Là, c'est une petite vidéo aussi pour dire qu'il y a un serveur et tout. Donc, si vous voulez rejoindre, bah. Comme je l'ai dit, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite juste dessus, et voilà. Ah, j'ai un arc, mais je peux pas faire de flèche. Ah. Parce que j'ai pas de pierre. Tiens, il y a un autre cochon. Allez hop. La poule! Merde! Il y a un loup qui me court après. C'est un ours! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ours qui est après moi, putain. Ah, là, c'est pas trop le moment avec les ours. Parce que... Il a dû spawner juste à côté de moi. Oh, il y a de la pierre là-bas en plus. Mais il y a un loup. Je vais me faire défoncer. Ah non, tu vas pas commencer. Hein.
Ah non, non, non. T'es où? Bah là, on était... Ah non, non, non. Attends, t'es où? Là, il y a un campfire, ok. Ouais, je suis en bas. Alors, on va y aller, parce que moi, en plus, j'ai la dalle. Je vais bientôt crever si je mange pas. Je suis là, derrière toi. Ok. Il y a de la viande là-dedans ou quoi? Regarde, normalement, ouais. Ok. Open. Ah ouais, yes. Putain, ah, le loup, il va me tuer, j'ai plus de vie. Faut courir. Ah ouais, bon. Attends. Je vais essayer de voir pour l'avoir... Je vais essayer d'y aller par derrière et essayer de l'avoir comme ça. Le seul problème, c'est que j'ai bientôt faim. Et... Enfin, c'est que j'ai la dalle et... Ouais, c'est... Ça démarre mal, hein. Oh. Bon, vas-y, continue à courir si tu peux et... Hop, moi je le tape pendant ce temps, occupe-le et hop, si je peux me le faire. Allez, viens là, saloperie. Ah, puis t'en veux, hein. C'est bon. Y est. Oh la vache. Ah. Bon, bah c'était pas la mais. Oh, allô quoi. Voilà, bon, par contre, je vais manger parce que j'ai faim. Parce que j'ai la dalle. Allez, hop, vite. Bon, il me faudrait que j'aille chercher la pierre là-bas. Ouais, un maximum de trucs et puis voilà quoi. Par contre, on va prendre. Hop, faudrait se faire minimum une shelter et un sleeping bag. Hein, ça, ouais. Et si j'ai de la pierre, je peux me faire des flèches et je pourrais buter l'ours et tout pour qu'on récupère ce qu'il faut. Ah, moi je récupère le cloud, tout ça pour que au moins on puisse se faire des fringues. Je vais essayer de faire le tour. Voilà. Parce qu'il y a l'ours à côté de la pierre alors. Ouais, c'est. Ça craint du boudin. Hop, donc on va faire cuire tout ça, on va récupérer le charbon. Hop, alors qu'est-ce que je pourrais crafter? Est-ce que j'ai combien? 23 de cloud? Alors. Est-ce que je pourrais faire un pantalon? Yes. Voilà, tu veux un pantalon aussi ou quoi? Bah, vas-y. Ouais. Attends, je vais faire deux pantalons. Allez, de la stone. Voilà, donc comme ça, voilà. Donc, bah, hop. Putain. Il me donne que du minerai. Ah oui, bah ouais, c'est... Ah, deux stones, putain. Limite, les stones, c'est plus précieux que le minerai de métal et tout. C'est... Bah alors, pourquoi il se rallume pas, cet abruti? Des flèches. Comme ça, je me fais l'ours. Bah. Ah, il n'y a plus de bois, que je suis con. C'est bon. Je me disais, bah merde. Ouais, j'ai perdu un peu les réflexes de Rust. C'est vrai que... Hop là. Voilà. J'ai perdu un peu les réflexes. C'est un moment que j'ai pas joué aussi. Donc, voilà. Donc, après, bah... Dans les épisodes précédents, bah... On... Voilà, là, le but, c'est... Je vais faire un truc de base, hein. Comme les premières vidéos que j'avais fait. Donc voilà, trouver du bois, se faire un sleeping bag, pouvoir sauvegarder tout ce qu'on a. Et puis bah dans les épisodes précédents, on va continuer. Hein. On ira vers les villes, tout ça. Et puis bah je vous incite et je vous invite également à rejoindre le serveur, ce qui pourrait être vraiment très sympa. Ouais. Et puis voilà, quoi, qu'il y ait un petit peu d'action sur le serveur, ça pourrait être vachement cool, quoi. Là pour l'instant c'est pas tout top parce qu'on est deux mais pour l'instant mais bon, le serveur est tout jeune et depuis hier donc je ramasse le bois, voilà, c'est bon. Oh, je l'ai eu. De quoi? Si tu veux de la barbaque et tout, j'ai buté l'ours. Ah d'accord. Ok, bah moi j'essaie de looter un petit peu. Je vais faire un sleeping bag. Ou deux si tu veux. Si t'en veux un. Est-ce que je peux en faire un? Moi je vais regarder tout de suite. Sleeping bag. Ah, hé. Devine combien il me manque de clout. Je sais pas. Ah, mais devine. Un. Exactement. Et tout à l'heure il me manquait quoi? Sur le. Pour faire une petite hachette? Bah, un de pierre. Voilà. Et ça m'arrive constamment. Et il me manque. Je veux un peu. Quoi. C'est tout. Wow, putain, il m'a fait peur. Quoi. Saloperie de serre. Mais attends, j'ai l'arc. Ouais, bah écoute.
putain. Merde, raté. Ouais, donc viser, on n'est pas... Hop, c'est bon. Voilà, merci. Bon. Hop. Alors, sleeping bag. Ah, voilà, j'ai du cloud. Je peux en faire qu'un. Voilà. Hop, hop. Allez, ça c'est bon. Allez, sleeping bag. Tiens. Est-ce que je l'ai fait... Voilà, tiens. Hop. Maison 1 aussi, voilà, c'est mieux. Ah, c'est bien, hein, t'as vu. Ouais, je sais, parce que je sais que... Ma bistouquette, bon, enfin... Bon. Va falloir mettre la limite d'âge sur YouTube. Ouais, mais non, t'inquiète pas. Ça devrait le faire. Allez, hop. Un bon, sleeping bag. Que... Voilà, ça c'est bon. Pendant qu'on m'écrit sur mon téléphone, je suis demandé de partout, c'est impressionnant quand même. Le shelter. Wood shelter. Ah, oh, j'ai pas assez de bois. Merde. Ouais, j'en ai pas beaucoup de bois non plus, donc voilà. Bon, déjà, j'ai un sleeping bag. On pose voilà, pas du feu. Ça va avancer doucement. Moi, je le pose, le sleeping bag. Je le pose ici au cas où je crève comme une merde. Ouais, voilà. Ouais. De quoi le... Ah oui. Sleeping bag. Hop, à la belle étoile. Ouais, ouais, voilà. Donc là, on est à côté, voilà, de... Ouais, c'est de la ville. Ouais, on est à côté. Ça va, on a spawn à un bon endroit. Puis, bah, c'est bien parce qu'il y a pas mal de piliers anti-radiation. Donc, quand on va aller vouloir... Quand on va vouloir visiter les autres villes, bah... Ouais. Ça va être quand même assez plaisant, quoi. On sera peinard. Ah ouais, ouais. Là, on va pouvoir... Donc par contre je précise, bon pas dans cette vidéo là mais dans les autres en fait parce que je crois qu'il faut minimum 15 personnes pour qu'il y ait un avion pour qu'il y ait un avion qui passe en fait dans le serveur, je crois qu'il faut qu'il y ait minimum 15 personnes. Ouais. Donc là ça m'étonnerait qu'on soit 15 d'ici demain ou après-demain, enfin sait-on jamais hein. Dans ce cas là je le ferai moi-même, je le ferai spawn moi-même, toutes les heures je ferai spawn un avion et enfin toutes les heures je le ferai peut-être une fois parce que là on est deux donc bon. Après voilà. Mais je peux au moins spawn un avion histoire de. Voilà. Mais bon après je vous invite quand même à rejoindre le serveur et pour faire des trucs sympatoches, bah pour faire du rust tout simplement et puis. Et puis vous entretuez quoi, voilà. Enfin... Comme des gros bâtards. Ouais voilà, ouais. Mais pas de spawn kill parce que sinon je vois. Pas... Ouais ouais. Comme j'ai dit dans la vidéo, le spawn kill, bon, c'est inutile et ça donne. Ça montre pas que. Ça montre juste que la communauté est merdique, quoi. C'est. Parce que spawn kill, c'est juste tuer pour tuer, ça sert juste limite à rien, ça empêche juste le joueur, au joueur de jouer, quoi. Ouais. Donc, je trouve ça un peu naze, quoi. Tout à fait. Après, de toute façon. Il y en aura, hein, mais bon. Donc, on va aller chercher le bois maintenant. Donc, c'est pas très palpitant, hein, mais bon. C'est... Ouais, pour l'instant on loot tranquillement, puis voilà. Ça va, loot... j'ai trouvé du bois, de la pierre et tout, j'ai ce qu'il faut. On loot tranquillement, et puis bah. Et voilà, je vous invite, bon bah voilà, à rejoindre le serveur, et puis voilà, voilà. Hein. Ça pourrait être assez sympa. Donc là. Est-ce que je peux faire ma chouette? Stone Hatchet. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Est-ce que je peux faire le... Alors, Wooden Door, non? Wood Shelter. Ouais, je peux. Je vais me faire une shelter. Ça, c'est fait. Près du feu de camp? Ouais, ouais, je vois. On se fait une shelter chacun autour du feu de camp, puis... Ouais, bah ouais, parce qu'une shelter pour deux, en fait, je sais pas si ça va passer. Ce sera un peu serré, je crois. Ouais, je pense un petit peu aussi. Puis même, la porte, il y a qu'une personne qui peut l'ouvrir. Puis je veux garder mon intimité, hein, quand même. Mâche, c'est bon, hop. Voilà, donc j'ai la shelter. Tu peux la faire, la shelter, toi? Ouais, là, normalement, oui. Oh, y'a un lapin! Lapin! Viens, oncle lapin! Lapin! Saloperie! Viens! Mais viens ici! Viens. Hey! Putain, c'est bien. Oh! Allô, quoi! Ça y est, bon. Ouais, comme il est mort. Ouais, ouais, il nous a fait le grand écart à quatre pattes, quoi. Oh. Bon. Bon, ça donne pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Attends, je récupère encore des ressources et j'en reviens. Ouais, moi, c'est pareil, de toute façon. Et puis, bah, plus tard, on se fera une baraque, on se fera des fours, tout ça, et puis, bah, on essaiera de trouver du Kevlar.
Les blueprints pour le Kevlar, de toute façon là j'ai déjà un blueprint, donc c'est pas mal, c'est pour les grenades. Donc je vais pas l'apprendre, je vais attendre d'avoir un research kit quand même. Ça... Comme ça on pourra prendre déjà les grenades. Hein ? Voilà, donc là j'ai pas mal de petits trucs aussi après, bah de la stone, sulfure or et métal or. Donc pour pouvoir se crafter après des trucs un peu plus sympatoches. Donc là on va rester par là hein, pour commencer. Bon, je vais essayer de retrouver où on était. Oh, il y a un zombie, attends, je vais le faire. Tiens, bah des balles de M9 et bon bah hop. Voilà, allez, on prend. Étant donné qu'on est à côté d'un point de spawn de loot, on va en profiter. Hein. On a spawn ici, donc hop, on en profite. Metal fondation. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je me fais attaquer par un zombie, je l'avais pas vu. Ah, il est où? Bon, je l'ai tué. Tiens, j'ai trouvé un research kit et du papier. Ah, cool, pas mal ça. Au pire, ce qu'on fait, c'est on se fait une putain de base ici avec des pics et puis on a les loot juste à côté, quoi. J'ai trouvé du sol en métal, je crois. Mais t'es où? Ouais, et des fondations en métal que j'ai trouvé. Et t'as trouvé ça où? Sur un zombie. Ah ouais, carrément, quoi, qu'est-ce que tu... Ah ouais, sur un zombie, quoi. Putain, attends, t'as de la chance, j'ai jamais eu ça sur les zombies. Si moi, sur les zombies... Je suis à côté d'une espèce de truc avec des grands murs, un gros bâtiment. D'accord. Merde, par contre, je suis plus... Donc des balles de M9. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une M9 déjà? Attends. Ouais, il y a vite fait des radiations, mais j'aime pas le bruit des radiations. En fait. Alors, hop. Je sais plus où on était, putain. Ah bah non, tu t'es pas perdu. Oh mais attends, cool. T'as facile de te paumer là-dedans. Et poule. Non, bon, je vais la laisser vivre, la poule. De toute façon, ça... Bah... parce que je sais pas où t'es parti en fait. Ok, là y a une route. Ah, par contre, faut pas oublier de manger. Hein. Voilà. Donc, hop. Il y a encore un zombie rouge qui me fuit. Ah, mais t'es parti où sur des collines? Ah! T'es où? Sur une route. Ah ouais, mais t'es parti super loin ou quoi? Je te vois plus. Hein. Pas forcément. Oh, de la poudre à canon et des balles. Alors, par contre, on va commencer à voir si on peut pas faire crafter. Et un plan de bizarre laser. D'accord. Putain, je sais pas. Locality metal. Alors, hop. Locality metal. Il faut du métal fragment. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est. Donc, je rapprends un petit peu parce que c'est. Ah, si, c'est bon, je crois que j'ai retrouvé. Donc de la stone, il faudra de la stone et l'eau gratuite, d'accord. Bah, ça, on verra ça pour la prochaine fois. On commencera à faire des petites armes, des M9, des machins comme ça. Alors, on a combien de temps, là, de vidéo? Je suis à 23 minutes. Ok, d'accord. Putain, j'ai encore un zombie qui me colle au cul. Ah non, c'est un rouge et ils sont super rapides, je saigne, je vais mourir. Oh, mais... Reviens par ici. Bah, j'arrive. Ah, c'est pas vrai, hein. Faut te mettre. T'es barré où? J'arrive, je suis là. T'es barré dans une ville quoi, c'est pas possible. Non. Eh ben, il me reste 13 de vie. Il y a un zombie derrière mon cul. Je suis près du camp. Attends. Ah, je le vois. Ouais. Ah, ouais, il est un peu. 8 ouais. De vie qui me reste. Ah, bah, c'est mort. Je suis près du sleeping bag, c'est pas grave. Mais par contre, faut le tuer lui. Hein. Ouais, j'essaye. Allez, casse. Ah, mais il est à moitié. Ouais, bah il y a. Putain! Par contre, moi j'ai pas mon sleeping bag de poser, donc ça va pas ça. Ah, je vais crever. Oh, t'aurais pas dû te barrer, je vais crever. merde, mon canard. Que je reprenne mes armes. Là, je vais crever, bah c'est bon, je suis mort. T'avais pas de sleeping bag, t'avais rien du tout? Bah si, mais je l'ai pas posé le sleeping bag parce que je pensais pas que t'allais te faire. Ah, moi je l'ai posé direct hein, dès que je l'ai fait parce que. Bah récupère mon stuff, je vais crever juste devant toi. Hein. Tant pis. Ah putain, il est revenu le bâtard. Bon bah voilà, c'est magnifique, ça commence super bien. Bon. Où je suis là? J'ai eu. Il avait du chocolat et du granola. Ah bah super. Ah bah là, super, je spawn, il y a direct des zombies, d'accord. Bon. Bah de toute façon. Bon bah ouais, tant pis hein.
Je suis où là? Je dois pas être très loin. Oh la vache, il y a des zombies partout ici. Bah, je suis dans une ville. J'ai spawn dans une ville. Est-ce que je suis... Je crois que je suis à côté, je suis pas très loin, je crois, mais... Bon, bah, le premier épisode qui commence super bien. Commence déjà à crever, bon, c'est génial, quoi. J'avoue. Bon, t'as récupéré mon stuff, non? Attends, j'ai récupéré le mien. Toi, t'es mort... Bah, je suis mort juste à côté, donc... normalement, ça devrait être bon. Ah, ok. Ah, oula, j'ai pas de place pour tout ça, moi. Bah ouais, mais bon, hein, oh. Il va pas disparaître, le sac. Ah bah si, à un moment donné, c'est... Ah bah attends, je crois que je suis à côté. Attends, je vais aller voir... Ah, je sais... Ah non, attends. Il y a un autre hangar, mais non. Ça doit pas être le même. Bah va voir. Parce que moi aussi, je me suis dit ça tout à l'heure, en fait, si c'était ça. Ouais, non, mais moi, il y a une ville, je crois, à côté, et c'est pas le même hangar où je suis. Ça va pas être... Bon, c'est pas grave, hein. Bon, j'essaie de récupérer le plus important, c'est quoi, le medkit, le sleeping bag, la stone hatchet, voilà, enfin, un truc. Bon, bah, je récupère des trucs, allez, ah bah, tiens, une pioche, c'est pas mal, et des balles de 9 mm, c'est pas mal aussi. Bon, de toute façon, on se retrouvera, ah, un ours, mais, hé, c'est pas possible, sur ce serveur, il y a que des ours. Alors... T'as eu un plan aussi. Le plan de grenade, ouais. J'ai enlevé la torche. Attends, parce que je suis à un endroit qui ressemble, mais je crois pas être au même endroit, en fait. Et je suis à un endroit qui ressemble vachement. Mais... Bon, de toute façon, je te retrouverai quoi. Au pire à l'autre épisode, c'est pas très grave. De toute façon, c'était voilà, le premier épisode. Bon, bah voilà, c'est... On s'est fait... Je me suis fait tuer. Bon, j'ai récupéré les ressources, hein. Ouais, ok. De toute façon, je vais tout foutre dans un coffre, après. Ouais, ouais. De toute façon, plus tard, on se fera une base, une maison, un machin, et puis... Voilà. Oh ouais, non, putain, par contre, les loups qui passent à travers les portes, quoi, ça continue, quoi. Faudra vraiment qu'ils règlent ce problème, parce que ça devient lourd, quoi. Mange le chocolat, merci. Alors... Le Blood Draw Kit. Ouais, bah attends, parce que je suis... Attends. Je les prends ? Attends. Attends, attends, est-ce que ce serait pas... Ah si, ah bah attends. Quoi ? Ah, je crois que j'ai spawn juste à côté, j'ai eu de la chance. Enfin, je crois, attends. Non ? Ah bah si, t'es là ! Ah bah si, c'est bon ! Ah si, c'est... Oh, j'ai... Oh la chance ! Par contre, t'as un putain de mon cul. Les loups, attends. Non mais là par contre, ça me gonfle en fait. Là par contre, ça me gonfle sérieux. Quoi. Bon, au moins on s'est retrouvé. Bon, maintenant, il est trop rapide, il est trop rapide. Fais mais... Arrête-toi, fais du fast, t'as plus de trucs parce qu'on n'y arrivera jamais. Bah ouais, non, je peux pas, j'ai qu'une pierre. Là, si bah, normalement, les loups avec une pierre, tu peux te les faire. Ouais, c'est trop chiant. Bah, je peux pas le rattraper, là. Voilà. 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 J'aurais bien fini. Ah, c'est vrai. Voilà. Ouh. Eh bah dis donc, bah pour un premier épisode, ça y est, ça commence bien. Bon. Ah, la... Putain, j'ai eu peur, la poule. Comme il a couru comme un charognard sur la poule, quoi. J'avoue. Alors, hop, je vais récupérer ma torche. Quand même. La pierre, je m'en fous. Je vais récupérer mon fut. Je vais récupérer ça. La pierre, je m'en fous un peu. Tiens, un sleeping bag. Ouais, par contre, tous les medikits, les machins, tu les avais repris, non? Ouais, attends, je vais split et je vais te relâcher tout. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le plan de la grenade. Hop. Bah, de toute façon, fais le research kit pour le plan de la grenade, au pire, et tout ça, quoi. Et puis, voilà, bah, de toute façon, il fait nuit, donc, voilà, bah... Une petite journée, donc, bah, rien de transcendant, hein, c'est le début... Hop. Ouais.
Moi, je fais mon shelter. Voilà, hop. Ouais, je vais faire. Si je sais pas si je peux par contre faire la shelter, mais si je peux, je le fais. Alors, sleeping bag ou. Shelter. Si je peux. Il me semble que je l'avais la shelter. Bon, c'est pas grave. Attends, vous donne dehors. On a combien de temps là? On a une demi-heure. Ok, une demi-heure. Ouais. On va rester un peu. Ouais, voilà, bah le temps, voilà, de construire tout ça. De toute façon, il va faire nuit, donc première journée, premier épisode, bon bah qui s'est qui est parti sur les chapeaux de cou, hein, parce que ça a quand même. Je vais mettre la viande à cuire. Voilà, donc première chronique des survivants ou je sais pas, enfin premier épisode en tout cas. Donc là, on risque si au niveau des zombies tout ça parce qu'on n'est pas armé, donc il y a quand même un risque. Hein. Après, il n'y a pas de joueur, donc bon, bah, c'est un risque en moins. Mais... ouais, ça devrait aller. Ouais. Pour l'instant, oui. Ça devrait aller. Alors, où est-ce que je vais mettre la shelter mais... Alors, wood storage box. Hop. Par contre, faut pas oublier de faire une porte. On sait jamais s'il y a des gens qui rejoignent le serveur dans la nuit. Ouais. S'ils te piquent la porte, enfin, si tu mets pas de porte, c'est fini. Hein. Ils te pillent, ils te tuent et tout ça. Hein. Donc, je te conseille de faire une petite porte quand même. Hop. Une porte et puis bah, on va s'arrêter là pour le premier épisode et puis un autre va arriver prochainement hein, je pense et j'espère en tout cas et puis voilà bon bah on va se quitter sur un petit coucher de soleil hop alors la porte allez hop 10 secondes encore je place la porte et puis voilà moi je mets mon coffre. Ouais voilà donc on a les trucs de base hein, donc bon c'est pas passé grand chose mais bon. C'est le début de toute façon. Là, si c'est le début d'une aventure, bon, bah voilà, ce sera pas comme les vidéos que j'avais fait avant. Hop, voilà. Hop. Voilà, hop. Hop, voilà, je pose mon sleeping bag. Zou. Et voilà. Bon, bah voilà, écoutez, bah, premier épisode assez sympatoche. Ah bah, je vais faire un campfire aussi, je vais en profiter. Ça, j'aurai le feu dans ma cabane. Et puis, bah, je vous... de mon côté, je vais arrêter, de toute façon. Puis, bah, ouais, pareil. Deuxième hein. Épisode. Et puis, notre but, pour le moment, c'est de collecter des ressources, mais à mort, et puis, bah... Puis de se construire un petit truc sympa. Ouais, faire un four, pouvoir se crafter au moins une arme... Et puis voilà, pour commencer doucement. Faire aussi de quoi accueillir quelques abonnés aussi. Voilà, bah il y a 50 places sur le serveur, donc il y a quand même de la place. Il y a que 50 slots, donc voilà. C'était aussi une petite présentation du serveur, machin, tout ça. Et puis bah, pour dire qu'il allait avoir une petite aventure aussi dessus. Ouais. Hop, je vais poser. Par contre, j'ai perdu toute la pierre que j'ai collectée, quoi. Alors ça me fait un peu chier. Bon, tant pis. Mais bon. Hop, voilà, est-ce qu'il me reste du bois? Ouais, il me reste du bois. Hop, bon, bah écoutez, moi de mon côté, bah, je vais vous dire à peluche, hein, vous dire à peluche pour le prochain épisode et pour d'autres vidéos, sur d'autres ouais. Jeux, etc. Abonnez-vous, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, et puis rejoignez le serveur, et puis voilà. Bon là, c'était le commencement, c'était peut-être pas forcément très très intéressant. Mais... Ah, c'est sûr, c'est du loot, hein. De toute façon, voilà, c'est du loot, c'est tout ça. Bah, ah bah, t'as commencé à te faire un... Bah, j'ai posé des barricades sur les côtés. Ah bah voilà, donc voilà, donc notre truc, ce sera de... Bah, on fera une base, de toute façon. On fera une bonne base, on va collecter des loot, et puis... Ouais. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, chronique des deux survivants. Survivants de... Donc voilà. Survivor. Ouais, Survivor. Bon, allez, sur ce, je vous dis à peluche. Ça, allez. C'est chez moi ici. Non, mais oh. Bon, c'est tout, je rentre chez moi. Voilà, bon, chacun chez soi. Voilà. Hop, donc je vous dis à peluche. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à me dire ce que vous en pensez, à rejoindre le serveur. Et voilà, voilà. Bon, bah, moi, voilà. je vous dis salut, et puis salut et salut. Allez, à plus tout le monde, ciao. Ciao.